J'aimerais ça être vétérinaire parce que j'aime les animaux. L'ingénierie. J'aimerais ça être une ballerine. Devenir ceinture noire. Faire des photos des gens. Moi, je voudrais être comptable plus tard. J'aimerais être actrice. Pour moi, la persévérance, c'est comme je persévère quand quelque chose est difficile pour moi. Je trouve des solutions et quand je trouve les solutions, j'essaye de m'entraîner à bien les faire. Comme ça, je suis sûre de ne plus avoir besoin de chercher. C'est important à l'école et dans la vie, la persévérance, parce que peu importe ce que tu fais, ben, t'en as besoin. Là. Avant, c'était ma mère, puis maintenant, c'est mon père qui m'aide à faire mes devoirs. Ben, moi, j'ai de la misère un peu en français, donc j'ai un tuteur. Ben, souvent, dans la maison des jeunes, les intervenants de la maison des jeunes, mes parents, puis mes amis aussi. Merci, maman, parce que tu m'aides à chaque fois pour faire de mes devoirs. J'aimerais dire merci à mes parents pour m'aider, parce que je sais que c'est pas nécessairement facile. Donc, déjà, c'est pas facile pour eux de demander de l'aide, de lever la main, mais on essaie vraiment de leur démontrer qu'on est là pour les aider. Puis je pense que la persévérance, c'est aussi de l'entraide de tous les intervenants. C'est l'expression que ça prend un village pour faire grandir, mais c'est exactement ça, c'est avoir le soutien à la maison pour comprendre les défis qu'ils ont à l'école. Les étudiants maintenant aussi, ils n'ont pas juste l'école, ils ont des jobs, ils ont une vie sociale. Le fait de savoir qu'ils vont pouvoir se choisir un métier à leur goût, ça va faire des citoyens peut-être plus investis. Puis éventuellement des parents aussi plus impliqués quand eux-mêmes vont avoir des enfants. Comme entourage, parfois, il faut persévérer à les aider à persévérer. Hein? Je pense même qu'on devrait prendre exemple sur eux parce qu'au quotidien, à l'école, ils s'efforcent d'être persévérants. On peut se féliciter d'être là pour eux, mais surtout s'encourager à continuer de le faire. Bonjour, je m'appelle Mylène Paquette et je suis la fière porte-parole de la semaine de la persévérance scolaire en Montérégie. Soyez les bienvenus à cet atelier. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pensé à la fille qui a traversé l'Atlantique à la rame dans son petit bateau jaune pour vous parler de persévérance. Souvent, je me suis sentie bien seule dans mon petit esquif, mais si j'ai réussi, c'est grâce à des gens engagés et passionnés comme vous. Alors, je vous remercie d'être ici pour continuer de vous développer et continuer votre engagement auprès des jeunes en cette semaine de la persévérance scolaire. Et comme vous savez, nos gestes et nos mots comptent et donnent un sens à leur parcours. Alors, je vous remercie d'être là. Bon atelier. Alors, bonjour. Bonjour et bienvenue à cet atelier qui porte aujourd'hui sur la conciliation études-travail et le rôle de l'entourage. C'est organisé par l'instance régionale de concertation de la Montérégie, l'IRCM, et c'est un atelier qui prend place dans le cadre de l'édition 2023 des Journées de la persévérance scolaire chapeautée par le Réseau québécois pour la réussite éducative. Mon nom est Frédéric Charpentier, très honoré, très privilégié d'être l'animateur de ces journées organisées par l'IRCM. Je suis également papa de deux beaux ados, dont un qui travaille en même temps que ses études et l'autre qui y songe sérieusement. Alors, j'ai bien hâte comme vous d'entendre nos expertes nous proposer des outils, des conseils, nous éclairer sur le sujet. Merci d'être là. Vous êtes des parents, vous êtes des enseignants, des éducateurs, vous êtes impliqués auprès des jeunes. J'espère qu'on a aussi des employeurs peut-être qui sont là aujourd'hui. Vous savez que chaque geste compte quand il s'agit de parler d'agir en termes de persévérance scolaire. Alors, juste le fait d'être ici aujourd'hui en dit long sur votre volonté d'accompagner nos jeunes dans leur parcours scolaire. Merci infiniment de faire la différence. Alors, pour débuter tout ça, j'inviterai tout de suite à se joindre à moi la directrice générale de l'IRCM, et j'ai nommé Chantal Denis. Chantal, es-tu des nôtres? Bonjour, Frédéric. Salut, Chantal. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même. Ça va super bien, merci. Vraiment très heureux d'être là. On parle d'un sujet d'actualité. La réalité du milieu de l'emploi a changé, puis la réalité de nos jeunes aussi, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, plus tôt dans leur cheminement, vont se chercher un travail. Alors, c'est nouveau, ça. Donc, j'imagine qu'il y a un intérêt là de la part de l'IACN d'éclairer un peu tout le monde à ce sujet-là, d'accompagner les gens dans cette nouvelle réalité-là.
Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Bien, on sait que cette année, l'édition des UPS 2023 met l'entourage des jeunes de l'avant. Et c'est certain que dans cet entourage-là, il n'y a pas seulement l'éducation et les parents, mais il y a également les employeurs, puisque comme tu viens de le dire, les jeunes travaillent et ils travaillent de plus en plus jeunes. Donc, les employeurs font partie de l'entourage et c'est important de sensibiliser et accompagner autant les employeurs que les parents, les jeunes et tous les acteurs qui œuvrent auprès des jeunes. Alors, tu as mentionné le réseau tantôt. Le réseau a fait une étude menée par la firme Léger pour connaître justement comment les Québécois voient la conciliation études-travail et surtout après la pandémie. Parce qu'on sait comment ça a influencé nos vies, tout ce qui s'est passé durant la pandémie. Oui. Donc, ce sondage-là a eu lieu du 24 novembre au 1er décembre auprès de 1000 Québécois et les résultats, il y a plusieurs résultats, mais dont un qui démontre qu'il y a plus de 2/3 des Québécois qui sont soucieux de la conciliation études-travail pour les jeunes. Puis de plus, il y a des études qui démontrent clairement que pour des jeunes âgés de 16 ans et plus, si ces jeunes-là travaillent plus de 21 heures par semaine, ça augmente de 41% le risque de décrochage scolaire. Donc, c'est pas rien quand on y parle. Non, c'est important. C'est important. Et l'autre, il y a plus de la moitié des jeunes qui, encore là, plus de 16 ans, ces études-là sont faites sur les jeunes de plus de 16 ans, mais plus de la moitié des jeunes qui ressentent des problématiques en conciliant études-travail. Problématiques étant, par exemple, perte d'énergie, fatigue. Et là, on se rend compte que ces enjeux-là se transfère aux jeunes de 11 ans et plus. Wow. Parce qu'ils commencent maintenant, on en voit quand on fait nos activités courantes de commission, par exemple, comment il y a plusieurs jeunes qui travaillent dans ces âges-là. Puis ça arrive dans un contexte, on le sait, dans une société où la pénurie de main-d'œuvre est là, il y a un manque de main-d'œuvre. Les employeurs ont soif de. C'est facile aujourd'hui d'aller chercher des jeunes et les jeunes ont le choix de leur employeur, ils décident avec qui ils veulent travailler. Si ça ne fait pas leur affaire, ils changent d'employeur parce qu'il y en a un autre qui sera intéressé à les avoir. Alors, c'est une réalité que moi, je n'ai jamais connue, qui est une réalité nouvelle. Et c'est intéressant pour un jeune d'avoir de l'argent aussi, d'avoir une certaine autonomie. C'est attirant, ça. Les jeunes aujourd'hui consomment, vont au restaurant. Donc, c'est ça aussi, ça fait partie de la nouvelle réalité. Effectivement, mais quand on lit le thème de notre rencontre, de notre atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à une conciliation études-travail. Oui. Et c'est l'objectif. Puis en Montérégie, je pense qu'on doit se poser des questions sur cette conciliation études-travail-là, mais aussi unir nos efforts ensemble pour que cette conciliation études-travail-là soit la plus harmonieuse possible pour nos jeunes. Donc, on ne dit pas d'entrée de jeu, on est contre le travail, on dit que c'est une nouvelle réalité, on dit qu'il faut concilier les deux et être conscient des impacts de cette nouvelle réalité-là du travail chez les jeunes et les accompagner là-dedans. C'est ce qu'on va faire avec deux organismes qui sont le Carrefour Jeunesse-Emploi Vaudreuil-Soulanges et Posa Source des Monts. Pourquoi avoir fait le choix de ces deux organismes-là aujourd'hui? Bien, les Carrefour Jeunesse-Emploi au Québec ont une mission importante de soutenir les jeunes de 15 à 35 ans. Il y a 111 Carrefour Jeunesse-Emploi au Québec, 1500 personnes qui y travaillent. Donc, presque toutes les régions administratives au Québec possèdent ou bénéficient des services d'un Carrefour Jeunesse-Emploi. Vaudreuil-Soulanges a des éléments très intéressants qui s'adresse aux employeurs, comme on va le voir tantôt, puis qui s'adresse aux jeunes aussi pour permettre une bonne intégration sur le marché du travail. Puis en ce qui a trait à Posa Source des Monts, on va le voir par les témoignages que l'on va recevoir tantôt, mais c'est vraiment d'essayer d'intégrer le plus possible les jeunes aussi et favoriser un équilibre entre le travail et possiblement, dans certains cas, un retour aux études.
et oui. rendre ça de façon la plus harmonieuse possible encore. Je reviens avec le terme harmonieux. Pour moi, c'est important de le voir de cette façon-là. Alors, ce sont deux organismes de la région de la Montérégie qui travaillent effectivement dans le sens de dire, ensemble, il faut s'en aller vers une conciliation études-travail intéressante pour les jeunes. Et plus que jamais, je fais un lien avec les ateliers qu'on a eus précédemment cette semaine. Ça va être important de créer des liens significatifs avec ces jeunes-là, de les accompagner, d'être conscient que comme adultes, ben, c'est nous qui faisons la différence beaucoup en termes du développement de la persévérance de ces jeunes-là. Ça promet aujourd'hui deux experts, deux organismes, deux approches, deux clientèles. Alors, vous allez, peu importe où vous œuvrez, dans quel organisme, vous allez y trouver votre compte vraiment avec ces deux organismes-là. L'objectif est temps de ressortir avec des outils et des inspirations et des trucs et des conseils aujourd'hui de cet atelier. Chantal, on se retrouve à la toute fin de l'atelier pour la conclusion. Salut bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux expertes du jour. Notre première invitée est éducatrice spécialisée de formation et animatrice jeunesse depuis 10 ans à titre de conseillère à la persévérance scolaire. Eh oui, ça existe comme titre. Elle travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Elle fait bon usage de son énergie positive pour guider les jeunes dans leur organisation scolaire et ce, de façon individuelle comme en grand groupe. L'objectif étant toujours de diminuer le stress qu'ils peuvent vivre dans leur parcours et de mieux les outiller à persévérer. C'est beau ça comme mission, comme fonction. Marika Réaume, bonjour. Bonjour Frédéric. On active le micro. Mais oui. C'est une bonne idée. Merci d'être là, Marika, vraiment, c'est très apprécié. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de présenter notre deuxième invitée qui est directrice générale de l'organisme POSA, Source des Monts. Et elle dit de son propre poste qui lui permet de mettre ses capacités de gestion au profit des besoins des humains. Elle ajoute, il est important pour moi que chaque jeune qui entre à la maison POSA soit accueilli comme étant chez lui et ayant le pouvoir sur sa propre vie. C'est Sandra Bolduc qui nous dit ça de chez POSA. Bonjour Sandra. Un petit micro ouvert et puis on va vous entendre. Ça va bien. Oui, ça va très bien. Merci d'être là, Sandra. Merci à vous. Vraiment très apprécié. Alors, je reviens vers vous deux, le temps de donner quelques consignes et des indications en lien avec le déroulement de cet atelier. Alors, donc, dans quelques instants, chacun des organismes nous partagera un peu sa mission, ses programmes, son expérience, sa perspective sur la thématique du jour. On prendra une petite pause suite à ça de 5 minutes vers 11h10. Ça vous permettra à la maison ou au bureau d'aller vous chercher un petit café, etc. Mais sachez-le, on veut vous garder engagé aujourd'hui. On veut vous entendre, on veut vous lire. D'ailleurs, vous allez avoir la possibilité tout au long de l'atelier de nous envoyer des questions, des commentaires dans le fil de discussion. Et nous, on va récupérer ça et il y aura une période de questions dans laquelle je vais pouvoir relayer vos commentaires, vos questions à nos experts et répondre justement à ces questions-là. On aura une petite période en retour pause où on sera dans le pratico-pratique. On va parler des cas concrets. On va vous demander, est-ce que vous vivez, vous, des problématiques en lien, des enjeux en lien avec la conciliation études-travail et vous aimeriez qu'on ait une discussion à ce sujet-là avec nos experts? Déjà, vous pouvez penser à ça et nous envoyer ça dans le fil de discussion. Ensuite, il y aura un segment pour terminer qui portera sur la boîte à outils. Alors, nos intervenantes vous feront leurs suggestions, des outils, des incontournables selon elles pour vous accompagner dans cette thématique-là. Et finalement, en synthèse, en conclusion, on se fera une petite synthèse de tout le monde ensemble de l'atelier du jour. Alors, j'espère que ça vous convient comme déroulement proposé aujourd'hui. L'atelier est enregistré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer par courriel le lien pour vous donner accès à cet atelier-là par après. Et donc, on vous enverra également les présentations de nos intervenantes. Alors, je sais qu'il y en a qui ont tendance à prendre des photos, prendre des notes, etc. Sachez que vous allez avoir l'information qui va être transmise à l'écran aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va débuter ça avec Marika Réaume. Marika, qui est conseillère en persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges. D'abord, moi, je ne peux pas passer à côté le fait que ce soit un titre.
que j'entends, que je lis pour la première fois. Ça existe, ça, une conseillère en persévérance scolaire? Ben oui, exactement. Donc, nous, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on accompagne les jeunes qui sont soit à risque de décrocher ou qu'ils ont décroché pour soit maintenir un train de vie actif, les impliquer dans différentes activités pour maintenir leur niveau social également, parce que c'est un niveau qui est également affecté pendant, pendant leur décrochage scolaire. C'est d'essayer de les rendre le plus actifs possible, puis de faire un plan d'action avec eux pour éventuellement un retour aux études là, par la suite. Mm-hmm. Puis de par la mission du Carrefour Jeunesse Emploi, on fait facilement le pont, le lien oui. entre la thématique du jour, la conciliation des études et du travail. Alors, Marika, je te laisse prendre la main avec ta présentation. Oui, j'y vais. Je partage mon écran. Alors, tout est beau, tout est là. Super. Donc, bonjour tout le monde. Bien heureuse d'être présente ce matin pour vous faire cette petite présentation concernant la conciliation études-travail. En fait, nous, au Carrefour Jeunesse Emploi à Vaudreuil-Soulanges, nous avons un projet conciliation études-travail qui nous permet d'accompagner des jeunes dans leurs études, mais également les accompagner dans leur travail pour faciliter la conciliation. On a également une portion au niveau des employeurs que je vais pouvoir revenir plus tard au cours de ma présentation, sachez que c'est un programme qui est fort apprécié dans notre région puisque ça nous permet de mieux outiller le plus de personnes possible dans notre réseau. Tout d'abord, je vais commencer par quelques statistiques. Là. Madame Chantal Denis nous en a fait part un peu ce matin. Donc, on sait qu'effectivement, nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent de plus en plus là, dans nos réseaux actuellement. On mentionne que le taux a presque doublé dans les dernières 25 années. Là, c'est quand même énorme. Il y a plus de jeunes sur le marché du travail. Donc, on en a également beaucoup qui travaillent trop d'heures par semaine. On mentionne ici le 23 % des élèves en 5e secondaire qui travaillent plus de 16 heures. Donc, c'est quand même une bonne portion d'heures là, par semaine. Puis également, on mentionne aussi que la majorité des jeunes travaillent dans des secteurs de services. Donc, je commence par une petite question là, pour avoir votre idée là-dessus. Donc, selon vous, combien d'heures approximatives y est-il suggéré de travailler lorsque nous sommes aux études? Donc, vous avez un petit sondage ici à y répondre. Quand on aura la majorité des réponses. Ben ça, on pourra mettre le résultat. Donc, combien d'heures? Est-ce qu'on pense moins de 10 heures, moins de 15 heures ou moins de 20 heures? Donc, effectivement, donc 79 % des gens ont mentionné moins de 15 heures. Effectivement, donc on suggère fortement aux jeunes de travailler entre 10 et 15 heures par semaine. On va pouvoir avoir plus d'informations là-dessus au courant de la présentation. Donc, ici, selon la presse, on sortit un article dernièrement là, concernant les différentes statistiques là, sur les jeunes qui travaillent en plus d'être aux études. Donc, on remarque qu'il y a une forte augmentation des jeunes de 15 à 19 ans qui travaillent. Donc, si on regarde dans les années 90, là, en 96, il y avait 31 % de jeunes qui travaillaient, mais maintenant, c'est 53 % en 2019 qui travaillent en plus d'être aux études. Donc, c'est quand même une forte augmentation qu'on voit tout ça. Comme on l'a mentionné, donc, il y a également beaucoup de jeunes qui travaillent pendant l'année scolaire et plus ils vieillissent, plus ils vont être nombreux à être sur le marché du travail. Donc, tu sais, si on regarde en premier secondaire, là, on a 44 % des jeunes qui travaillent, mais si on arrive en secondaire 5, il y a 65 % des jeunes qui travaillent, ce qui est vraiment énorme. Également, donc, le nombre d'heures consacrées au travail. Donc, on voit quand même qu'une bonne majorité des jeunes, 76 % des jeunes, qui vont travailler moins de 11 heures par semaine. Mais on en a quand même une partie qui vont travailler entre 11 et 15 heures et quand même un 12 % qui vont travailler plus de 16 heures par semaine. Et ça, on dénote une petite différence également entre les garçons et les filles qui vont travailler un peu plus d'heures par semaine. Et également, qui dit
plus de jeunes sur le marché du travail, dit des fois moins d'outils sur le marché du travail. Donc, c'est une statistique que je trouvais pertinente à vous présenter par rapport à tout ça parce que plus qu'il y a de jeunes sur le marché du travail, donc il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se blesser. Donc, 20 % des jeunes qui travaillent pour un employeur se sont blessés, soit 4100 jeunes, ce qui est quand même énorme. Et 10 % des jeunes qui effectuent des petits travaux se sont blessés au travail. Donc, c'est quand même une information qui était super pertinente à vous partager. Donc, il y a quand même des aspects positifs du travail dans la vie d'un jeune. Ça, on l'a mentionné, on veut travailler sur son autonomie, il va travailler, va socialiser avec des nouvelles personnes, il va apprendre à gérer de l'argent. Donc, c'est vraiment plein de choses qui peuvent être positives. Donc, on y va aussi au niveau de l'organisation. Un jeune va être en mesure de bien organiser son temps, de bien faire en sorte que sa gestion de temps soit efficace. Donc, s'assurer qu'il y a du temps pour faire ses travaux scolaires. Donc, s'assurer qu'il y a du temps pour effectuer ces tâches au travail également. Ils vont augmenter leur connaissance d'eux-mêmes. Donc, en étant sur le marché du travail, ils vont être en mesure de se découvrir en tant que personne, puis d'être en mesure de savoir ce qu'ils veulent faire également plus tard. Donc, en ayant des différentes expériences de travail, ça nous permet de mieux se connaître et de mieux savoir ce qu'on veut dans la vie de tous les jours. Donc, ça améliore également la confiance en soi. Hein. On ne se le cachera pas. J'ai accompagné des jeunes qui se sont découverts des nouvelles passions, des nouvelles choses qu'ils aiment. Donc, ça va vraiment bonifier leur confiance en eux-mêmes par rapport à tout ça. Et de mieux connaître le marché du travail également, c'est quand même une bonne chose. Donc, on voit, là, il y a plein d'éléments qui sont super positifs dans le milieu du travail là, pour certains jeunes. Donc, on arrive avec des petits vrais ou faux. Donc, encore là, je vais demander votre petite participation de votre côté. Donc, première affirmation ici. Donc, le nombre d'heures de travail effectuées par semaine peut compromettre la persévérance scolaire. Donc, vrai ou faux? Ben, super, merci. Donc, vrai ou faux, le nombre d'heures de travail effectuées par semaine peut compromettre la persévérance scolaire. Ben, ça, quand on a la majorité des réponses, on pourra afficher les réponses. Donc, effectivement, c'est bel et bien vrai. Donc, il y a des étudiants qui vont être en mesure de travailler quand même un certain nombre d'heures par semaine supplémentaires, mais d'autres que ça va être beaucoup trop. Donc, c'est important. La connaissance de soi, encore là, doit être présente dans la réalité des jeunes parce que ça leur permet de mieux se connaître, ça leur permet de mieux connaître leurs limites également parce qu'au départ, ils voient plein de côtés positifs dans le travail. Donc, c'est-à-dire, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir une certaine autonomie pour leurs dépenses, ils vont pouvoir socialiser plus avec leurs amis, s'acheter des choses qu'ils aiment, mais il y a quand même des côtés négatifs. Donc, c'est pour ça que de connaître leurs limites vont leur permettre de travailler là-dessus. Donc, il faut qu'ils fassent des choix en fonction de leurs capacités. Deuxième affirmation, donc le type de travail effectué a un impact sur la persévérance scolaire. Donc, vrai ou faux? On aura la majorité des réponses, on pourra afficher. Donc, vrai ou faux, le type de travail effectué a un impact sur la persévérance scolaire. Oh, quand même! Donc, effectivement, c'est encore vrai. Donc, on a ici plusieurs choses. En fait, ce qui arrive, là, c'est que chaque emploi a ses différentes particularités. Donc, des fois, il y a des emplois qui vont être plus physiques, qui vont demander quand même plus d'efforts. Donc, ça peut venir jouer un peu sur l'état physique du jeune. Donc, exemple, un jeune qui va passer 6 heures par jour la fin de semaine à déplacer des grosses boîtes ou des meubles ou peu importe, mais il peut arriver à l'école le lundi, être un peu plus affaibli par tout ça. Donc, des fois, le travail aussi demande une certaine organisation. Tu sais, on peut y aller... Par rapport aux différentes tâches. Donc, il y a des choses qui doivent être faites de manière super rapide. Donc, ça peut venir jouer un peu sur sa concentration à l'école. L'horaire également. Donc, des fois, on peut être appelé dernière minute pour rentrer au travail parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, qui a été malade ou peu importe. Donc, il y a quand même beaucoup de choses reliées au travail qui peuvent venir jouer sur la persévérance scolaire. Et dernière petite affirmation, les jeunes qui occupent un emploi sont plus à risque de décrochage scolaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les jeunes qui occupent un emploi sont plus à risque de décrochage scolaire.
On aura les réponses. Vincent, on pourra. Et merci. Donc, cette question-là, effectivement, si on avait posé la question avant les dernières statistiques qui ont sorti, la réponse aurait été fausse. Malheureusement, avec les nouvelles statistiques qui ont sorti, donc effectivement, on note un changement par rapport à ça. Donc, le risque de décrochage scolaire augmente lorsque le nombre d'heures de travail hebdomadaire augmente. Fait que ça va dépendre vraiment du nombre d'heures par semaine que le jeune va travailler. Plus que le jeune va travailler un certain nombre d'heures, son taux de décrochage peut augmenter. Donc, on voit ici dans les différentes statistiques, là, donc la proportion de la statistique, comme je mentionnais, est de 41% pour les jeunes qui travaillent plus que 21 heures par semaine. Donc, chez les filles, on voit que c'est un peu plus bas le taux de décrochage, mais quand même, donc plus que les jeunes travaillent, plus que le nombre d'heures par semaine augmente, pardon, plus que le taux de décrochage, le risque de décrochage scolaire est élevé dans cette situation-là. Donc, c'est une situation qui a changé au courant des dernières années, selon les dernières statistiques que nous avons. Donc, ici, j'ai quelques petits indices là, qui nous permettent d'un peu faire ressortir une conciliation qui est problématique. Donc, par exemple, là, si on voit qu'un jeune manque de motivation ou d'énergie pour faire ses travaux scolaires ou pour étudier, ça peut nous commencer à nous sonner une petite alarme par rapport à tout ça. Si on voit que le jeune travaille de plus en plus d'heures aussi, ça peut nous permettre de sonner une petite cloche par rapport à ça. Si on voit la fatigue, le stress, l'impatience, son sommeil qui peut être affecté aussi, ses résultats scolaires, ne veut pas qu'ils vont peut-être changer, qu'ils vont peut-être diminuer par rapport à tout ça. Donc, le manque de temps pendant les examens parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, parfois, le travail va prendre beaucoup plus de temps aujourd'hui dans la réalité du jeune. Donc, le jeune peut penser à son travail, donc peut être déconcentré pendant ses tâches à l'école. S'il peut s'absenter, le taux d'absentéisme va augmenter également puisque le jeune va être un peu mélangé dans son horaire. Prolongation de la durée des études pour concilier les études et les travails, ça c'est une réalité qu'on voit surtout pour les jeunes qui sont au cégep ou à l'université. Donc, il n'est pas rare, là, on en a même parlé dans différents articles dernièrement, que les jeunes décident d'allonger leur parcours scolaire, donc annulent certains cours pendant une session pour avoir une année supplémentaire pour justement faciliter un peu leur train de vie pour être certain d'avoir le budget nécessaire pour continuer leurs études. Également, il y a une partie qui est importante, puis on parlait d'entourage aussi ce matin, puis c'est une information que je trouvais importante. Donc, l'implication des parents, elle est importante aussi dans tout ça. Si on a des parents avec nous ce matin, je trouvais ça super pertinent de vous partager ça. Donc, c'est important d'être disponible et attentif, d'encourager les différentes réussites des enfants, de vos jeunes qui sont actuellement aux études et qu'ils travaillent en même temps. Donc, de suggérer des fois des trucs, des fois, nous, en tant que parents, on a vécu certaines réalités, on a aussi travaillé pendant nos études pour certaines personnes. Donc, des fois, de donner nos trucs d'organisation, ça peut être vraiment un super beau partage que vous pouvez avoir avec vos enfants. Discuter des besoins de vos enfants, de c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses désirs professionnels, lui permettre d'avoir certaines discussions par rapport à ça, va pouvoir l'aider de connaître son nombre d'heures travaillées par semaine, de ses différentes charges de travaux, d'essayer d'avoir le plus d'informations. Puis, tu sais, on voit là, mes différents points qui sont nommés ici, mais ça revient surtout au niveau de la communication. Tu sais, la communication va être super importante. Tu sais, c'est important de prendre le temps de discuter avec le jeune, autant en tant qu'intervenant, mais en tant que parent aussi dans cette situation-là. Tu sais, d'être attentif à des changements au niveau de son attitude en classe. Tu sais, si des fois les enseignants ou les intervenants vont voir différents comportements. Donc, ça va nous permettre d'avoir certaines discussions avec notre enfant aussi et porter une attention particulière lors des périodes d'examen. Tu sais, pour être certain que votre jeune, tu sais, en tant qu'intervenant ou en tant que parent, d'être présent pour votre jeune lors de ces moments-là puis d'assurer qu'il va quand même mettre une certaine priorité aussi dans ses sessions d'examen. Comme j'ai mentionné au début de notre petite présentation que je fais avec vous ce matin, on a, nous, au Carrefour Jeunesse Emploi, une certification des employeurs. Donc, ce que ça fait, c'est un outil, en fait, qu'on utilise surtout pour nos jeunes parce qu'on va pouvoir, on va promouvoir, en fait, beaucoup plus ces emplois-là dans notre Carrefour que les différents autres emplois.
Donc, c'est un programme qui est directement dans les entreprises qui va permettre de sensibiliser les patrons aux réalités des jeunes travailleurs étudiants. Donc, il y a plusieurs éléments que les patrons doivent respecter dans tout ça. Donc, si je ressors les plus importants, donc, ils doivent offrir un emploi de plus ou moins 15 heures par semaine. Les arrêts de travail doivent être planifiés en fonction de l'horaire étudiant du jeune. Il y a certaines normes également qui doivent être respectées là, en fonction de l'âge du jeune et également le fait qu'il l'horaire de travail qu'il peut avoir au courant de la semaine et de la fin de semaine. Donc, d'accorder une certaine importance à leur intégration au travail, d'informer les jeunes des mesures de sécurité en place, offrir différentes formations à l'embauche. Donc, ça fait partie des différentes conditions qu'on demande aux employeurs de la région, donc de la région de Vaudreuil-Soulanges, pour qu'ils puissent avoir une certification à ce moment-là. Et nous, de notre côté, ce qu'on s'engage à faire, c'est de faire une certaine publication, une visibilité supplémentaire pour ces employeurs-là, afin vraiment là, de leur donner un coup d'œil supplémentaire là, pour certains jeunes, pour nos jeunes du Carrefour. Donc, j'ai quand même été vite, là, Frédéric. J'arrive à ma dernière diapositive, là, simplement pour te le nommer. Donc, les effets positifs là, sur l'entreprise, là, on en a plusieurs qui vont être ressortis par tout ça. Donc, la certification, elle est super positive. Tu sais, dans le fond, là, en ayant un employeur qui va être conciliant, en ayant un employeur qui va permettre de réaliser les rêves de les jeunes, c'est d'avoir un horaire stable, d'avoir un horaire qui va être bien équilibré entre l'école et le travail. L'étudiant va donner un meilleur rendement au travail par rapport à tout ça. Donc, en étant mieux outillé, en étant mieux accompagné par nous, par le Carrefour, pour ces patrons-là, ça permet d'avoir un meilleur rendement de leurs jeunes employeurs, ce qui est super important. Donc, ça leur donne accès également à un plus grand nombre de candidats. Si les jeunes savent que la conciliation études-travail est importante pour cet employeur-là. Donc, c'est une réalité qui va être encore plus présente dans les prochaines années, mais vraiment, là, ça nous permet de valoriser encore plus ces emplois-là. Donc, la flexibilité à l'égard des jeunes employés qui étudient pourra favoriser leur rétention en emploi. On l'a mentionné un peu tantôt, les jeunes ont quand même la liberté de choix par rapport aux emplois. Aujourd'hui, c'est quand même une réalité qui est super présente. Donc, si un jeune décide de changer d'emploi parce que son horaire ne fait pas de sens pour lui ou parce qu'il a trouvé peut-être mieux ailleurs, mais en ayant un employeur certifié au niveau de la conciliation études-travail, ça va leur permettre vraiment de cibler leur employeur puis de pouvoir rester parce que les conditions de travail vont être plus gagnantes pour lui. Puis ça va vraiment favoriser tout ça. Donc, voici ce qui fait un peu un topo. Frédéric, est-ce qu'il y avait des petites questions ou des petits commentaires supplémentaires par rapport à ce que j'ai mentionné? J'ai été quand même vite, là, comme d'habitude. Bien, ça, c'est moi. Là, je suis comme ça. Bien, c'était vraiment très intéressant. Personnellement, en tout cas, je ne connaissais pas l'existence de programmes qui favorisent justement un contact avec les employeurs qui leur permettent de prendre conscience de la réalité des jeunes et de travailler de concert avec eux en étant certifié comme ça. Moi, comme parent, j'aurais avantage à diriger mon jeune vers un employeur certifié. Là. Ben exactement, Frédéric. Puis je vais probablement t'étonner en t'apprenant que ça fait 10 ans que ce programme-là existe au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on a cette certification-là qui est disponible. C'est 153 entreprises de la région qui se sont faites certifier au courant de ces années-là. Puis à chaque année, c'est renouvelable. Hein? Donc, tu sais, c'est pas parce que tu t'es fait certifier une année que c'est à vie. Là. Donc, à chaque année, on fait passer un petit questionnaire, on s'assure que vraiment ta certification, elle est encore valide. Fait que ça fait quand même 10 ans, c'est beaucoup, là. Et puis, je viens de recevoir une question dans le fil de discussion. Comment est-ce que les employeurs font pour se faire certifier, justement? Là, je comprends qu'il y a un renouvellement, puis bon, on réévalue tout ça, mais la première fois, on fait comment comme employeur? C'est de prendre contact avec nous directement. Donc, on a un chargé de projet en conciliation études-travail qui est disponible au Carrefour. Donc, c'est de prendre contact avec nous au Carrefour et de mentionner que nous, on aimerait ça se faire certifier conciliation études-travail. Donc, ce sera une de mes collègues qui prendra le relais pour justement lui parler de la différente certification, l'outiller aussi également dans tout ça.
Et si on est un organisme en ce moment à l'écoute, là, puis qu'on se dit, bon, OK, je ne suis pas un Carrefour Jeunesse Emploi, j'aimerais ça peut-être initier un genre de programme comme ça, est-ce que c'est fait les accompagner là-dedans? Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps de discuter, de juste prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous donner plus d'informations sur ce sujet-là. Effectivement, là, c'est une possibilité. Et je me permets de te poser une autre question qu'on a reçue, ben oui. Parce que bon, tu as été très rapide et on est toujours dans ton temps. Alors, on ne prend pas du temps de Sandra en ce moment. C'est alors, parfait. On demande ici comment convaincre les employeurs et les jeunes d'accorder et de travailler un nombre d'heures raisonnable. Tu sais, quels sont les outils? Bien, c'est sûr que je vais présenter quand même des outils qui vont donner une certaine réalité, mais c'est de permettre aux jeunes d'avoir une conscience sur sa réalité. Donc, c'est quoi ses véritables besoins? Tu sais, est-ce qu'il a besoin de payer? C'est quoi son réel besoin d'aller travailler? Mm-hmm. Pourquoi il doit travailler? À ce moment-là, ça va vraiment nous permettre, surtout avec le jeune, de comprendre, OK, bien, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de travailler 25 heures en plus de compléter mon secondaire 5. Tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment de savoir ses besoins puis de cibler ses priorités dans tout ça pour nous permettre là, de travailler là-dessus. Mais tu sais, c'est vraiment, ça va être du cas par cas souvent, mais tu sais, je pense que de prendre le temps de connaître les besoins du jeune va nous aider là, dans tout ça. Ouais. Également, je vais juste rajouter, Frédéric, parce que j'ai comme complètement oublié un peu d'en parler dans ma présentation. Mais tu sais, j'ai parlé beaucoup de conciliation et de travail au niveau des employeurs, mais on a également un atelier qu'on fait dans les jeunes, avec les jeunes dans les classes au secondaire là, qui nous permet vraiment d'outiller aussi les jeunes là, par rapport à la conciliation et de travail. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est pas rien, ça, cet atelier-là, parce que vous vous dirigez dans les classes là où vous avez accès directement aux jeunes et ils sont là pour vous écouter à ce moment-là, parce que comme parents, éventuellement, ben, ils vont entendre ce qu'on a à dire par rapport à ça, mais il faut travailler de concert, là, tout le monde en équipe pour que le message passe, puis des fois, quand ça vient de professionnels comme vous, comme ça, qui arrivaient avec vos statistiques puis avec votre écoute et tout ça, c'est pas rien, ça. Donc, les écoles ont une ouverture par rapport à ça. Ils peuvent communiquer avec vous puis avoir de vos services. Oui, exactement. Donc, on a plusieurs ateliers aussi, autant au niveau de l'organisation scolaire, mais au niveau de la conciliation et de travail, c'est vraiment un atelier qui est super populaire et qui est bien aimé là, par les jeunes de la région. Puis vous travaillez depuis longtemps avec l'IRCM, avec l'instance de consultation? Mais oui, exactement. Puis dans le fond, notre projet a eu lieu grâce à l'IRCM de conciliation et de travail. Là, c'était un partenariat qui a été fait avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, mais qui a été financé par l'IRCM. Là. Donc, c'est eux qui nous ont permis de vivre ce projet-là de la conciliation et de travail. Là. Donc, vous êtes dans l'innovation parce que, bon, ça a commencé avec ton titre de conseillère à la persévérance scolaire. J'étais très étonné de ça. Puis depuis 10 ans, quelle surprise, un programme qui existe de certification depuis 10 ans. C'est un très bon portrait, Marika, de la réalité d'aujourd'hui avec des données qui sont actuelles. Ça met bien la table à tout ça. Donc, merci infiniment. On va passer côté de ta collègue puis on se retrouve un petit peu plus tard. Oui, il y a des petits cœurs comme ça qui volent à travers mon écran. On s'en va du côté de chez Sandra Bolduc, qui est directrice générale de chez Posa, source des monts. Bonjour. Ça va bien, Sandra? Ah, ça va super bien, merci. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? As-tu apprécié la première portion là, de Marika? Tu es d'accord avec ce que tu as entendu? Ça met bien la table? Oui, tout à fait. Il y a même, vous allez voir dans ma présentation, je vais reprendre un petit point qu'elle a nommé, là, qui est les besoins de travailler. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que ça comble? OK. POSA, P-O-S-A. T'sais, j'ai fait mes petites recherches, mais les acronymes, on en connaît beaucoup dans le milieu des organismes communautaires. Qu'est-ce que ça veut dire, POSA, source des monts? Ça vient d'où? POSA veut dire porte ouverte sur l'avenir. Donc, POSA, c'est un organisme qui a été créé en Assemblée de Constitution en 2000, ça va faire 21 ans, donc 2001. OK. Donc, ça fait 21 ans. Et puis, en 2005, il s'est associé à la Source des Monts. Donc, on a repris le service de la Source des Monts qui est en toxicomanie à Saint-Jean pour pouvoir présenter le travail de rue. Pouvoir faire du travail de rue sur le territoire de Saint-Jean-sur-Jaugé. Donc, c'est devenu POSA source des monts, mais communément, on dit plus souvent contrairement POSA. POSA, parfait. Bien, écoute, je te laisse nous présenter ton organisme avec tes programmes, tes initiatives. Je te laisse la main là-dessus.
Parfait. Donc, je vais tenter de partager. Donc, on voit l'écran, c'est bon. À partir du début. Tu vas devoir nous partager. Pas, non, on voit l'ensemble. On voit l'ensemble de ton. Ah, et voilà! Voilà, magie. C'est parti. Donc, pose sur ce démon. En fait, on va parler de nos valeurs. Donc, c'est quoi? C'est l'humanisme, la confiance, l'écoute, le respect et l'estime de soi. Notre mission, c'est la lutte à l'exclusion sociale et à la pauvreté dès 35 ans et moins. Donc, quand on dit organisme jeunesse, certains peuvent penser, quand on dit la maison POSA, que c'est une maison des jeunes. Non, c'est une maison pour les jeunes. C'est pas une maison des jeunes. Donc, 35 ans et moins. Et notre vision, ben, c'est d'accompagner la personne dans la place qu'elle désire prendre dans la société. Donc ça, c'est très, très, très important pour nous dans tous nos services que je vais vous présenter, c'est que le jeune puisse prendre le pouvoir sur sa propre vie. Donc on a bien sûr le travail de rue, la clinique des jeunes du bassin de Chambly qui est pour les 12-24 ans du territoire CLSC-Jolieu. On a une infirmière, un médecin, un travailleur social. On a le service GFA tous les jours. Donc, quand on parle de persévérance scolaire, il y a quand même un lien GFA tous les jours. Nous, on offre des repas chauds à des enfants choisis, des enfants démunis dans les écoles primaires de la région. Et on fait affaire avec le service traiteur de l'école. Donc, le parent va choisir les repas que son enfant va manger. Nous, on paye la facture. Et de cette façon-là, ben, le jeune n'est pas stigmatisé. Il peut étudier toute l'après-midi avec le ventre plein. Là. Donc, être full concentré. Ensuite, on a des programmes d'insertion à l'emploi, comme notre programme PAUSE, porte ouverte sur l'emploi. On a des expériences d'emploi aussi qui sont offertes à la Maison POSA. On a des programmes en persévérance scolaire et on a POSAR, qui est un programme, ça le dit, donc qui est autour des arts, des expositions d'œuvres d'art, des soirées slam poésie, c'est des cours de guitare gratuits, donc tout ce que les jeunes peuvent nous dire, on a envie de faire ça, puis ça a un lien avec les arts. Donc, j'en reviens au travail de rue, puisqu'on parle aussi de lien avec l'entourage. Donc, l'entourage est toujours super important. Le travailleur de rue, c'est quelqu'un qui, non, ne fait pas le béton dans la rue, ne refait pas l'asphalte. C'est un intervenant de terrain, donc qui va dans la rue à la rencontre des gens. Souvent, ça va être des gens qui sont en bris avec les services traditionnels. Parce qu'ils ne croient pas, parce qu'il n'y a pas eu la solution miracle pour eux. Peu importe, pour plein de raisons. Souvent, c'est des jeunes qui ne connaissent pas nécessairement bien les services qui leur sont offerts. Hein. Le trois quarts des jeunes ne connaissent pas les services qui sont offerts. Même adultes, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas et qui sont nés ici à Chambly. Donc, nous, notre maison, on est situé à Chambly, mais notre territoire est plus large. Donc, donc, le travail de rue, on va à la rencontre des gens. Et le secret du travail de rue, c'est le temps. Prendre le temps de prendre le temps. Donc, créer un lien avec le jeune. Pas le recevoir, OK, dis-moi tous tes problèmes, dis-moi ce qui se passe, puis à la prochaine rencontre, je vais t'arriver avec des solutions, puis tu vas les appliquer. Ça se peut. Des fois, deux, trois rencontres, ça se peut que ça peut fonctionner. Mais pour un jeune qui s'est fait dire, ben tu vas faire ça, puis que ça n'a pas fonctionné, puis un autre qui a dit, tu vas faire ça, puis que ça n'a pas fonctionné, ou que ça a été trop difficile, ben ça peut le décourager d'écouter. Fait que souvent, il faut rebâtir un lien de confiance pour que le jeune s'amène à être plus ouvert à vos propositions. Donc, les propositions, moi, je dis souvent que c'est comme un jeu de cartes. Le travailleur de rue va sortir son jeu de cartes. C'est-à-dire que pour une problématique X ou un besoin Y, il va dire, ben voici, parce que le travailleur de rue connaît son milieu, il connaît toutes les ressources qui sont autour de lui. Il va dire, voici ce que tu peux faire. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voici tes cartes. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu choisisses la carte que tu veux, puis c'est toi qui vas faire ça, mais moi, je vais être là pour t'accompagner. Mais ça va être ton choix. C'est ça, prendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça, le jeune, s'il se trompe, ben, ce n'est pas de la faute de l'intervenant. C'est que ça n'a juste pas fonctionné. Mais ce n'est pas grave, regarde, il y a quatre autres cartes à jouer. C'est toi qui vas choisir laquelle on va essayer ensuite. On va finir par trouver la bonne. Donc,
prendre le temps de rencontrer ces jeunes-là. Des fois, en une rencontre, je sais qu'il y a des statistiques à remplir, puis il faut faire des chiffres des fois, mais Colin, amener un jeune là, se promener au parc ou voir une game de garage qui joue dans la petite aréna du coin, ou parler de hockey s'il aime le hockey, une jeune fille parler des nouveautés TikTok s'il y en a, ou montrer deux, trois, partager des vidéos dans votre bureau avec le chat si c'est drôle. Mais juste de montrer que vous ne vous intéressez pas à la problématique, vous vous intéressez à l'humain. Ensuite, on pensera au problème. Mais là, c'est l'humain. Donc, on est en intervention, puis souvent, on va aller rapidement parce qu'on voit le jeune avec des problématiques, soit en détresse, soit qui risque de prendre des mauvais choix parce qu'il dit « moi, je veux aller travailler plus d'heures » ou peu importe. Si on ne prend pas le temps de créer un lien, les résultats vont être souvent éphémères. Si on prend le temps de créer un lien puis que ça ne fonctionne pas, souvent, on va être assez solide pour dire « on va continuer, on va essayer quelque chose ». Mais quand ça va fonctionner, ça va perdurer dans le temps, ça va être solide. Donc, c'est comme une maison, si on n'a pas des bonnes bases, bien, ça risque de s'écrouler puis de ne pas tenir. Donc, important de prendre beaucoup de temps. On a aussi un autre service qu'on a ouvert. Donc, dernièrement, c'est en juillet, on a ouvert la maison Stéphane Fallu. Donc, la maison Stéphane Fallu, c'est une idée originale de mes folies, mes petites bulles qui me passent par le cerveau en regardant la maison voisine. Je me suis dit, ça prend des maisons comme... Puis là, j'ai eu le flash chambre en ville. On va faire un chambre en ville pour les jeunes, la DPJ, parce qu'on sait que les jeunes à la DPJ, à 18 ans, ils se retrouvent à la rue. 75 % de ces jeunes-là n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, c'est énorme. Il y en a seulement 25 % qui en ont. Des jeunes qui sortent des centres jeunesse aussi, il y en a une proportion incroyable qui se retrouvent à la rue dans la première année. Donc, je pense que c'est quelque chose autour de 40 % ou quelque chose autour de là, mais c'est quand même énorme quand on fait le calcul. Donc, de plus en plus, il y en a qui disent que le visage de l'itinérance change. Il devient plus âgé, d'autres il y en a d'autres qui constatent qu'ils deviennent plus jeunes. Moi, je dis juste, ça dépend dans quel coin vous venez, d'où vous venez et où vous les voyez. Mais donc, on voulait que les jeunes évitent de passer par cette étape-là de la rue. Et donc, ils peuvent venir louer une chambre à la maison Stéphane Fallu pour un prix modique. Trois choses sont importantes pour nous. C'est un, qu'ils aient minimalement 17 ans et demi. Pourquoi? Parce que souvent, à 17 ans et demi, on se voit à la sortie, nos études ne sont pas finies, on n'a pas de métier, il n'y a personne qui nous attend dehors, on n'a plus de famille. Fait qu'on commence à s'auto-saboter. Donc, on veut éviter cette période-là aussi de 17 ans et demi. Donc, de toujours travailler en amont, on va recevoir le jeune à 17 ans et demi. Il faut qu'il ait reçu les services de la DPJ dans la dernière année. Pourquoi? Il faut qu'il ait reçu. Mais en fait, peut-être qu'il a essayé d'aller en appartement puis qu'au bout de deux mois, ben, il a perdu son emploi, ben, il n'a pas pu payer son loyer parce qu'il ne se levait pas. Il n'a pas appris à se lever le matin par lui-même, il y avait quelqu'un pour le réveiller. Ou il a arrêté de prendre sa médication parce qu'il y avait quelqu'un pour lui donner puis lui rentrer au centre ou en maison avec des familles. Donc, il faut qu'il s'habitue à beaucoup de choses. Une autonomie, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. C'est avec vraiment des petits pas qu'on va y arriver. Donc, ça, c'était le deuxième critère. Le troisième critère, mais non le moindre, qui est le plus important, c'est d'avoir un projet de vie. Dans le cas des projets de vie de nos jeunes en ce moment, il y en a un qui veut se mettre des sous de côté pour éventuellement aller s'acheter un véhicule, avoir son premier appartement parce qu'il va partir. Oui, il y a les fondations qui vont donner, par exemple, la vaisselle, la literie, des choses comme ça, mais tu sais, on sait qu'on veut un jeune. Il veut aller en appartement, il veut une télé, il veut pouvoir se payer le câble, etc. Donc, on a un jeune aussi qui entre au mois de septembre. Normalement, va commencer un DEP. On a un autre jeune qui est aux études, mais qui, lui, a la chance de pouvoir recevoir une subvention pour faire des études en soins animaliers. Donc, ensuite de ça, on a deux autres jeunes
qui, eux, sont retournés aux études. Donc, deux jeunes qui ont arrêté leurs études et qui sont retournés par la suite. Il y en a un, c'est aussi en soins animaliers. Ils ont beaucoup de... Ces jeunes-là ont beaucoup d'attrait, puis beaucoup de... Il y a un lien fort qui se crée avec les animaux qui ont souvent été abandonnés. Juste vous dire ça, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous expliquer quel lien ça peut créer dans la tête d'un jeune quand ils voient un animal qui a été abandonné puis qui va aller travailler dans des refuges pour les aider. Et on en a un qui, lui, a une belle conciliation quand même, travail-famille, mais travail-famille, pardon, études-travail, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu prendre beaucoup de temps. Ça a pris quelques mois même avant d'y arriver. Notre jeune était beaucoup poussé par sa famille pour faire de grandes études. T'es super intelligent, tu vas aller à l'université. Ça mettait une pression telle que le jeune il a décidé de quitter le secondaire après un mois et demi de son secondaire 5. Donc, il a entamé sa dernière année de secondaire, puis après un mois et demi, il a tout laissé tomber. Donc, on a parlé beaucoup avec le jeune, on l'a amené à réfléchir, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Mais étant donné qu'il y avait un projet de vie et que son projet de vie dans la maison, c'était d'étudier, de terminer des études, dans les 2 à 3 ans, parce que chez nous, ils peuvent rester de 2 à 3 ans, j'ai dit, OK, c'est correct. Je ne peux pas t'empêcher de lâcher le secondaire, mais il va falloir que tu fasses quelque chose en lien avec tes études. T'sais. Il va falloir que tu te mobilises, que tu fasses quelque chose. Peut-être, si tu peux aller, c'est peut-être moins de pression, une équivalence, par exemple, secondaire 5. Est-ce que tu serais prêt à t'investir puis au moins ne pas lâcher? Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils ne perdent pas le rythme. Même si c'est juste une équivalence pour certains, pour d'autres, une équivalence, c'est beaucoup. Et c'est mieux que rien. Et s'il veut y retourner plus tard, finir son secondaire traditionnel, bien, il pourra y retourner. Mais au moins, dans sa transition, il n'aura pas lâché. Donc, il a accepté de faire au moins se préparer pour ses examens. Il l'a passé. Ensuite, on a dit encadrement au niveau des études et tout ça. Puis, il a décidé d'aller... dans un programme de vente conseil, un DEP vente conseil, mais il faut qu'il paye sa chambre. Donc, il y a 600 $ par mois à payer. Fait qu'on a dit, OK, on va faire un budget. Là, on va avoir un outil. On a décidé, en citation, on a fait le budget. Combien tu as besoin? C'est quoi tes besoins? Donc, tu as ton loyer, tu as ton cellulaire. Tu aimes ça gamer? OK, bon, mais combien tu penses que ça te coûte là, pour upgrader tes affaires, pour gamer? On va rajouter ça, on va gamer. Ensuite de ça, des vêtements, ta pharmacie, tu as de la médication à prendre, c'est combien? Donc, c'était vraiment d'aller faire le compte. Puis là, à un moment donné, on a vu, bien, pour que tu ramènes tant avec le salaire que tu pourrais gagner, exemple, salaire minimum, il faut que tu travailles tant d'heures. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Oui, parfait. Donc, si y avait... Le coût aurait été trop gros, le budget aurait été trop gros, on aurait pu dire, OK, bien, c'est-tu possible que ton gaming... tu achètes juste, tu upgrades juste 2 affaires par mois au lieu de 4 ou 1. Tu arrêtes de voir c'est quoi tes priorités dans ton budget. Qu'est-ce qui est important de garder? Puis là, ils voient des fois du superflu. Ah, oh, finalement, ça, c'est pas grave. Ah, oh, finalement, ça, c'est pas grave. Mais vraiment, tout détaillé. Et puis, ensuite de ça, une fois qu'on a vu le nombre d'heures, on a dit, OK, mais on va faire un horaire travail-étude. On va faire un horaire, bon, du dimanche au samedi, les journées de congé, quand est-ce que tu travailles, pour que tu vois visuellement qu'est-ce que ça prend dans le mois, qu'est-ce que, pas dans le mois, dans la semaine, tout le temps que ça te prend pour étudier, le temps que ça te prend pour travailler, mais que tu vois des plages horaires où tu as du temps pour toi. C'est parce que c'est important de garder du temps pour soi. Oui, il faut étudier pour l'école, tout ça, mais c'est très important que le jeune puisse dire, bon, ben moi, dimanche matin, je travaille de 1h à 5h, fait que je veux pouvoir dormir, je vais étudier de 11h, de 10h à 11h. Fait que je vais me mettre la plage là, parce que le soir, j'aime pas étudier la semaine. J'ai pas le temps, je suis fatiguée. Donc, c'est vraiment de créer un horaire. Donc, on a créé un budget, on a créé un horaire. L'important après, c'est de ne pas en rester là, c'est de faire un suivi, de revenir une semaine plus tard,
ton budget, comment ça a été cette semaine? On revient 3 semaines plus tard. Bon, finalement, on a fait 1 mois. Comment ça a été? Il vient tous les mois faire un suivi avec lui. Ton budget, il en est où? Tu sais, je t'ai montré Excel, tu peux rentrer toutes tes petites dépenses dedans, tes rentrées pour que tu vois comment ça a été à ton travail. Donc, ça, c'est tous des petits outils pour que le jeune prenne conscience de la place que le travail prend dans son horaire, mais aussi la place que ses études doivent avoir dans son horaire. Donc, quand on parle de persévérance scolaire, de conciliation travail-études, il ne faut jamais, jamais oublier que il faut que le... C'est bien beau de dire aux jeunes, ça n'a pas d'allure. On peut dire un paquet d'affaires. Ce qui est important, c'est qu'ils voient, qu'ils puissent, que ce soit tangible. Donc, de faire le budget, de prendre le temps de le faire, de prendre le temps de faire l'horaire. Puis des fois, on peut dire, OK, bien, pense à ton affaire, puis on en reparlera demain ou on en reparlera la semaine prochaine. Quand je vous disais au début, prendre le temps, c'est de ne pas tout lancer d'un coup, mais prendre le temps de les écouter, prendre le temps de voir leurs besoins. J'en ai un autre qui est retourné aux études, puis était poussé par un intervenant à finir son secondaire. Mais visiblement, le jeune, même un secondaire 3, il ne l'avait pas fini. Puis il y a un retard qui fait que quand tu es rendu à 19 ans, puis que tu n'as pas fini ton secondaire 3, mais que tu n'as jamais lâché, tu as eu tout le soutien que tu avais besoin, tu as eu toute l'aide que tu avais besoin autour de toi, mais que tu n'y arrives toujours pas. Peut-être qu'il faut juste réaligner les besoins. Donc, on l'a aligné vers faire un équivalence du secondaire 3. On l'a accompagné, on a trouvé une ressource, Éducatou. Et ils peuvent aussi y être beaucoup pour... ça fait partie de leur mission là, d'accompagner les jeunes dans ces projets-là. Et maintenant, c'est ça. Il est retourné aux études, il a pu faire ça. Maintenant, il fait un DEP. Donc, c'est voir les besoins, prendre le temps. S'outiller, mais outiller le jeune pour qu'il puisse voir d'où il vient et où est-ce qu'il s'en va, mais qu'il puisse prendre le pouvoir lui-même sur ce cheminement-là. Donc, ça fait pas mal le tour de tous nos services. Tous les autres services que je vous ai nommés aussi, je vais juste terminer ici. Bon, voilà. Donc, tous les autres services que je vous ai nommés aussi, évidemment, on est toujours dans l'optique du travail de rue, que ce soit l'infirmière, les médecins, les travailleurs sociaux, les intervenants. On a un intervenant en toxicomanie aussi ici qui a aidé aussi des gens qui pourraient retourner, là. Donc qui voudraient retourner aux études, qui voudraient arrêter de consommer. Peu importe la problématique qu'il peut avoir, il y a toujours une solution, pas juste une solution, il y en a plusieurs, mais des fois on s'arrête juste à une. Pourquoi ne pas creuser puis prendre le temps d'en trouver plusieurs puis donner le pouvoir à la personne de dire bien, c'est toi qui vas décider laquelle on va essayer aujourd'hui. Puis si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je vais continuer puis je ne te lâcherai pas. Puis on va aller au bout. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux puis je vais t'aider là-dedans. On ressent tout l'accompagnement auquel les gens avec qui vous travaillez ont droit. On est dans l'humain, prendre le temps de prendre le temps. On est exactement là où il faut être avec eux à ce moment-là. J'ai l'impression que le travail de rue, c'est comme l'autre solution. On est avec une clientèle qui est en marge de la clientèle habituelle avec laquelle on peut essayer, tu sais, à l'école, avec les parents, etc. Tout à coup, ouf, on est de l'autre côté et on est toujours présent, mais d'une autre façon. Travail de rue pour moi. J'avais vraiment un concept associé à justement ce que tu nous expliquais au début, travail de rue, Montréal, etc. On n'est pas du tout là, on est ailleurs. Et ça existe, le travail de rue, partout au Québec, ou c'est propre à vous, ou c'est possible comme accompagnement? Non, on n'est pas tout seul, heureusement. Mais non, c'est ça. On n'est pas tout seul, on n'a pas inventé la roue, hein. C'est pas nous autres qui l'a inventé. En fait, le travail de rue, il y en a partout au Québec. Hein. Puis donc, il faut rester dans l'optique, le travail de rue, les travailleurs de rue, c'est des accompagnateurs, c'est des multidisciplinaires accompagnateurs. Et c'est volontaire, c'est le jeune qui doit en faire la demande. Ouais. Donc, très important, si vous êtes un intervenant, puis vous dites, bien,
Premièrement, si vous êtes un intervenant, là, vous devriez contacter les boîtes autour de vous. Là. Il y a la TRUC, il y a le ROCUTR, il y a plein d'associations qui peuvent vous donner dans votre coin les numéros, les adresses, les contacts des travailleurs de rue. Donc, prenez contact avec eux. Essayez probablement de parmi vous, il y en a déjà qui connaissent les travailleurs de rue puis qui sont venus puis qui ont dit, ben c'est qui? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Et lui, il va t'amener ta clientèle parce qu'il y a rencontre dans la rue ta clientèle, ta future clientèle. Donc, allez créer un lien avec les travailleurs de rue, téléphonez-leur. Puis ensuite de ça, quand un jeune va venir puis va avoir besoin d'un accompagnateur, donnez-y la carte. Tiens, appelle le travailleur de rue. Il faut que ce soit le jeune lui-même qui décide de bouger puis de vouloir faire quelque chose. Merci Sandra. Ça a suscité des questionnements. J'ai quelqu'un ici qui pose la question, qui est un agent de développement. Cette personne-là nous dit, normalement, je ne descends pas sur le terrain, je déploie mes stratégies d'action avec les partenaires. On a eu une petite discussion dans le fil de discussion ensemble. Je lui ai proposé de venir poser sa question directement. Peut-être qu'on pourrait inviter aussi Marika à se joindre à nous avant de passer à la pause. Puis, ça va donner le ton aussi à ce qui va suivre la pause, c'est-à-dire, avez-vous des problématiques? Vivez-vous des enjeux particuliers qui vous interpellent lorsqu'on parle de cette thématique-là? On veut vous entendre, on veut vous lire, puis avoir cette discussion-là avec vous. Et je vais demander à notre ami ici, tout ce que j'ai, c'est le nom de l'organisme. Là, malheureusement, je n'ai pas votre nom dans le fil de discussion, mais on va vous permettre d'ouvrir votre micro. Alors, vous allez pouvoir ouvrir votre micro et poser directement votre question. Êtes-vous là? Oui, je suis là. D'accord. Votre nom, monsieur? Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je m'appelle René Manga. Monsieur Manga, enchanté. On va vous laisser poser votre question à nos experts. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je suis agent de développement à Rapcote Nord, Réussite, Accomplissement, Persévérance. Nous sommes là à cette île. Donc, je suis en poste depuis novembre dernier. Donc, je suis chargé des sentiers conciliation études-travail et rôle de l'employeur pour la réussite éducative. Donc là, nous sommes dans une phase de réflexion, tout ça. On a déjà programmé une rencontre au mois d'avril avec des acteurs qui sont influents pour agir sur le rôle de l'employeur. Mais il y a le côté aussi conciliation études-travail et on a déjà un comité persévérance scolaire avec lequel nous travaillons. Mais comme ça concerne les études, le travail, la vie personnelle de l'étudiant, nous nous sommes dit que ce serait intéressant aussi d'impliquer les parents. Mais on ne sait pas exactement comment il faudrait impliquer les parents dans ce chantier-là, d'autant plus qu'ils ne font pas partie du comité. Donc, je voudrais savoir si vous travaillez déjà avec les parents et quelles stratégies on pourrait utiliser pour les impliquer dans ce chantier afin qu'ils agissent favorablement pour la réussite éducative de leurs enfants. Merci beaucoup. Wow, c'est assez complet. Mais c'est super pertinent. Je vous laisse répondre, monsieur Manga, c'est ça? Hein? Oui, Manga, oui. Parfait, je vous laisse répondre, mesdames. Je vais y aller de notre côté. Là, nous, au Carrefour, ce qu'on peut être appelé à faire là, avec les parents, c'est surtout de les informer. T'sais, autant que les différentes statistiques que j'ai présentées ce matin, bien, c'est des statistiques qui peuvent être super pertinentes à présenter aux parents parce que ça va leur permettre de mieux voir la réalité de c'est quoi qui se passe actuellement dans les écoles, c'est quoi qui se passe actuellement auprès de nos jeunes. Donc, de les tenir informés des différents enjeux, de la différente réalité que nos jeunes vivent là, au niveau de la conciliation et de travail, moi, je pense que c'est une vision qu'on devrait tous avoir là, par rapport à tout ça. De notre côté, nous, au Carrefour, du moins. Là. Bien, j'ai une petite question avant de répondre à la vôtre. Quand vous parlez des parents, est-ce que vous parlez individuellement ou pour un groupe? Un groupe, parce que peut-être ce sera très difficile de pouvoir les aborder individuellement. Je parle de groupe, quand je parle de parents, de groupe, c'est comme groupe cible. OK. Mais en fait, parce que dans les deux cas, individuellement, j'aurais dit d'emblée, bien, c'est le jeune qui va décider comment ses parents vont s'impliquer, puis jusqu'où, puis à quel niveau, si on veut qu'il ait du pouvoir sur ce qui se passe autour de lui.
J'irais en gros, ben, il y a plein de choses qui sont possibles pour justement donner l'information. Moi, je me souviens en début de pandémie, Zoom était une nouvelle bibitte dans l'univers de nos bureaux. Et puis, j'ai consulté d'autres organismes. J'ai dit, hey, toi, tu es en santé mentale, toi, tu es en toxico, toi, tu es en. Je disais, hey, on fait des Zooms pour les parents, pour leur donner de l'information. Puis ça a super bien marché. Il y avait plein de monde. Heureusement que j'avais payé le forfait 100 personnes et plus. Mais ça a super bien fonctionné. Donc, les parents veulent s'impliquer, puis les parents veulent avoir de l'information. C'est important de les informer parce que c'est souvent eux qui vont dire aux jeunes. Le jeune, il connaît pas tous les services. C'est rare. Ils connaissent tel jeune, ils connaissent tout ce qui se passe à la télé ou qui ont des budgets TikTok, tu sais. Mais les organismes de proximité, souvent, ils ne les connaissent même pas. Mm-hmm. Donc, si les parents sont au courant, ils peuvent dire aux jeunes, « Hey, regarde, il y a tel enfant qui existe. Je suis allée à une conférence hier, puis c'est pour toi. » Donc, oui, vous pouvez créer des soirées d'information pour les parents ou faire un comité de parents qui veulent s'impliquer et créer des activités. Est-ce que ça répond un peu à votre question, M. Manga? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses. Oui, bien, moi, j'aborde dans ce sens. Je suis un parent. Je me dis, effectivement, dans ma région, les organismes, bon, si on ne me les a pas présentés, ils ne sont pas arrivés par une porte, je ne vais pas vers eux. Mais si tout à coup, je suis interpellé par un programme, j'entends parler, je lis dans mon journal local, toc-toc, on fait un chantier, une conférence qui vous informe de la conciliation sur le sujet et on vous invite à participer à ça. OK, ça va me faire dire, OK, j'ai peut-être besoin de ça, peut-être que je peux les accompagner, à accompagner mon jeune de cette façon-là, mes jeunes. Donc, c'est un public, je pense, qu'on doit, je ne sais pas s'il est trop tard de les investir parce que vous dites qu'ils ne sont pas dans le chantier actuellement prévu dans la réflexion, mais à quelque part, j'imagine que les gens qui siègent là-dessus sont aussi peut-être des parents à quelque part. Oui, parce qu'en fait, comme on a plusieurs chantiers, il y a le chantier persévérance scolaire et nous, pour ce chantier conciliation et tout travail, on passe par ce chantier la persévérance scolaire. Mm-hmm. Pour pouvoir développer des actions avec eux. Maintenant, les parents ne sont pas encore dans ce chantier persévérance scolaire, mais pour le chantier CET, on voudrait voir comment l'élargir pour toucher les parents. C'est une belle volonté. Alors, on est tous, nos experts sont d'accord pour dire que c'est une bonne idée de les impliquer. Alors, ça répond bien à votre question? Oui. Merci. Merci de votre beaucoup. Implication. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Oui. Alors, ça donne un petit peu le ton à ce qu'on souhaite réaliser comme petite séquence à la suite de la pause. On va prendre une pause de 5 minutes. Et durant cette pause, on vous invite à nous envoyer vos questions, vos commentaires dans le fil de discussion. Est-ce que vous avez des enjeux, des défis auxquels vous faites face? Vous avez des questions de ce style-là? Ou peut-être que vous avez des outils à proposer. Vous dites, nous, chez nous, là, voici ce qui a fonctionné pour telle cible, tel public. Puis j'aimerais ça les partager à l'ensemble des participants aujourd'hui puis à nos experts. Vous pouvez le faire dans le fil de discussion et on peut aussi prendre la chance de vous inviter puis de poser la question directement comme ça dans l'atelier si vous acceptez qu'on puisse enregistrer votre voix. Alors, ça vient d'entrer justement. Oh, un long texte ici. je vous garde pour la suite des choses. Donc, on prend une pause. Donc, l'entourage, oui, c'est des parents, mais c'est aussi des employeurs de ces élèves-là. Puis qu'ils comprennent qu'il faut être flexible avec des élèves aussi pour qu'ils réussissent mieux leurs études, qu'il y ait des temps dans la session qui ont peut-être besoin de moins d'heures, mieux mettre des efforts aux études pour mieux réussir. Alors voilà, nous sommes de retour. Effectivement, on travaille de concert avec les employeurs. C'est une équipe, la conciliation études-travail. Ça suscite des questionnements. On a reçu un commentaire juste avant la pause et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec cette participante pour l'inviter à poser directement sa question de façon audio. Est-ce que Joël, vous êtes là avec nous? On va autoriser tranquillement là, au son. Cette participante à venir poser directement sa question.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Ben oui, on vous entend. Super. Vous avez... Je suis désolée vous êtes... pour le long commentaire, la longue question. Écoutez, on est paresseux. Je ne vais pas le lire, je vais vous laisser la poser. J'imagine que oui, il y a un contexte. Vous nous appelez de quel organisme, de quel coin de pays aujourd'hui? Moi, en fait, je suis psychoéducatrice au secondaire à l'école Jacques Lebert sur la Rive-Sud. Et puis, année après année, en fait, moi, ça fait 2 ans que je suis en poste là-bas. Et puis, c'est la deuxième année, en fait, qu'on fait passer un questionnaire standardisé qui s'appelle la TEDP, en fait, pour dépister les décrocheurs potentiels. Puis, ce qu'on observe, c'est que dès le secondaire 1, les raisons pour lesquelles nos élèves veulent aller dans le marché de l'emploi, c'est de moins en moins pour des raisons plus individuelles comme avoir de l'argent de poche ou de l'indépendance, mais de plus en plus pour supporter leur famille. Puis là, étant donné qu'il y a comme un contexte de suite à la pandémie, là, il y a une récession qui s'en vient, puis cette tendance-là va s'intensifier, hein? On en est bien conscient. Fait que je me demandais si vous aviez des recommandations pour supporter le milieu scolaire, pour accompagner ces familles-là qui sont plus vulnérables. Très bonne question. Ben moi, je peux y aller. Je peux peut-être vous donner quelques petites pistes de solutions. Les organismes communautaires, là, qui sont. Mais je comprends très bien le jeune qui veut aider sa famille ou, tu sais, moi, j'étais toute seule avec mes enfants, je travaille pour le communautaire, je leur ai dit, si vous voulez faire des sorties, vous les payez. Moi, je vais payer, vous avez tout ce que vous avez besoin, là. Vous inquiétez même pas, c'est payé, là, mais vos petites dépenses, vous payez vos affaires, vous allez travailler pour les payer, ils ont payé leur voiture, payé leur cégep, mais. Je peux comprendre qu'ils veulent faire leur part, surtout si les parents sont un peu démunis face au « Hey, ça coûte vraiment cher la nourriture, ça n'a aucun sens. » L'essence aussi, tu n'as pas le choix de continuer à aller travailler. Des fois, le transport en commun ne se rend pas où tu veux aller travailler, où tu peux aller travailler. Donc, tout coûte tellement cher. Fait que tu peux comprendre les gens, même pour faire partie de la famille, pour aider la famille ou pour pouvoir se payer ses propres affaires à lui. Mais pour aider ces familles-là, il y a plein de services qui sont sûrement autour de vous. Là. À Saint-Hubert, il y en a. À Brossard, à Longueuil, à Laval, à Côte-Nord, il y en a. À Sept-Îles, il y en a plein. Peut-être voir, faire un recensement là, avec votre équipe de tous les services qu'ils peuvent avoir sur votre territoire. Puis, communiquer cette information-là aux parents via un infolettre aux parents ou quoi que ce soit. Déjà, peut-être aider la famille, on veut aider le jeune, mais si en amont, de toute façon, la famille n'a pas plus d'argent pour y acheter des pantalons alors que les siens sont troués, ça n'aidera pas plus. Il va vouloir travailler, c'est sûr. Donc, ça pourrait être une piste de solution. Nous, ici, il y a une table de concertation qui a décidé de faire ça. Ils ont mis des sous qu'ils ont réussi à ramasser pour pouvoir faire une espèce de bottin des organismes et distribuer ça à tous les gens qui en ont besoin. Mais comme je vous dis, par une infolettre, peut-être relayer l'information aux parents. Voici, puis il y a des nouveaux arrivants qui ne savent même pas, ils sont surpris. Moi, j'ai des nouveaux arrivants qui m'ont été référés. Là. Ah, c'est quoi un organisme communautaire? On ne connaît même pas ça. Donc, peut-être, tu sais, pour eux, c'était aller à l'église si tu avais besoin d'aide, là, tu sais. Non, on a des services communautaires aujourd'hui. Fait que ça pourrait être une petite piste de solution. Il y a l'IRCN qui fournit ce genre de service-là, ce genre d'information-là aussi. Peut-être que vous pouvez cogner à titre de membre ou de non-membre là, à l'IRCN pour avoir ce type d'information-là. Marika, des pistes de solutions? En toute honnêteté, je continue dans la même lignée que ce que Sandra a mentionné. Je pense que même Frédéric, tu l'as nommé tantôt, le manque d'informations, le manque de connaissances des parents, des écoles au niveau des différents organismes qui sont présents dans la région parce qu'il en a énormément des organismes communautaires. Donc, je pense que de prendre le temps, justement, on revient surtout aux paroles de Sandra tantôt, mais de prendre le temps de connaître quels sont les services offerts dans notre région, qu'est-ce qu'on peut apporter. Puis, en ayant fait les différents questionnaires, ça vous a permis de peut-être cibler quelques jeunes, quelques familles. Vous allez pouvoir leur transmettre ces différentes informations-là. Fait que je pense que c'est surtout le manque de connaissances au niveau des organismes, au niveau des services qui est peut-être déficient là, majoritairement là, un peu partout. Donc, de prendre le temps d'aller rechercher tout ça, selon moi, va pouvoir vous aider à mieux outiller les parents, les jeunes dans cette situation-là qui est de plus en plus prenante dans nos écoles. Peut-être de s'outiller aussi comme
Je ne sais pas si votre question allait aussi dans ce sens-là, mais est-ce que vous vous sentez outillé, vous, à titre de psychoéducatrice dans cette réalité-là, à répondre à ces enjeux-là quand un jeune débarque dans votre bureau puis que vous apprenez que ce jeune-là travaille les soirs puis la fin de semaine pour y arriver pour ses parents? Vous voulez faire quoi? Votre réflexe, est-ce que c'est d'accompagner ce jeune-là, c'est de le diriger? Est-ce que c'est de vous aider, vous, à l'accompagner, de vous sentir supporté avec des outils et des moyens? Bien, en fait, moi, j'ai eu la chance de travailler plusieurs années au communautaire, donc je suis très, très au fait de ce qui se fait là, finalement dans notre coin. On a un bottin qui a été fait, qui est publicisé également. Je pense que c'est pas tout non plus, mais tu sais, c'est sûr que le jeune qui vient dans mon bureau, il y a une part de confidentialité aussi, fait que je peux pas nécessairement transmettre mes inquiétudes à la famille, mais d'un point de vue un petit peu plus préventif, tu sais, on va faire une conférence pour le passage primaire-secondaire à la fin de l'année, donc on veut mentionner justement ce nouvel enjeu-là, cette nouvelle réalité-là, partager les ressources, mais tu sais, dans un second degré, en fait, de sensibiliser les familles au discours aussi qui autour de la table, au souper, le soir, déresponsabiliser peut-être les jeunes par rapport à la situation financière ou, tu sais, du moins d'être sensibilisé à cette tendance-là, ça pourrait être une avancée aussi. Je ne peux pas faire autrement que de penser à une situation personnelle dans laquelle j'ai une amie de ma fille qui vit ça en ce moment, qui dit « Bon, on vit une situation difficile à la maison, puis moi, j'envisage faire un certificat professionnel en même temps que mon secondaire 4 et mon secondaire 5 pour travailler sur les chantiers de construction et permettre justement de contribuer à la famille. » Et quand c'est survenu à la table, j'étais subjugué par cette prise de responsabilité-là de cette adolescente-là qui, pour elle, c'était quelque chose de normal à faire, c'était de contribuer justement à la situation familiale. J'ai prêté écoute, mais je me sentais un peu démuni par rapport à quoi faire avec ça, tu sais. Puis en même temps, elle se sentait quand même relativement bien à travers cette décision-là. Mais peut-être que ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'elle met de côté ses ambitions personnelles. C'est ce que je trouvais personnellement dommage. Je me disais, est-ce que ça peut nuire à ses études? Est-ce qu'elle, elle pense aux autres avant de penser à elle et à son cheminement? Mais elle est en situation, quelque part, de survie dans sa perception. Là. Alors, ça, c'est les subtilités de la conciliation études-travail. Ça, on vient d'entrer dans ce qui touche le jeune, ce qui l'interpelle, sa motivation à travailler qui est plus que juste, justement, des besoins personnel, de loisirs, etc. Donc, il y a des niveaux de complexité dans cette thématique-là. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question, mon intervention, mais je commence à prendre conscience de la complexité de tout ça. Oui, vas-y, Marie. Mais tu sais, comme j'imagine que Sandra s'en va peut-être mieux dans la même région, mais tu sais, c'est de prendre le temps de discuter. Tu sais, prendre le temps, là, c'est tellement important, de prendre le temps de discuter avec le jeune, de voir c'est quoi ses besoins à lui. Tu sais, est-ce que pour lui, ses besoins, c'est vraiment d'aller aider ses parents? Bien, c'est de l'accepter puis de l'accompagner là-dedans puis d'assurer que tout fonctionne bien. Fait que c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut garder en tête parce que, oui, OK, peut-être qu'il va mettre de côté sa vie professionnelle pendant un moment parce qu'il a besoin d'aller aider sa famille. OK, on ne peut pas le forcer à faire autrement parce que son besoin actuellement, c'est de faire ça. Mais après ça, il ne faut pas oublier qu'il y a sa partie à lui. Il peut aller continuer quand même à travailler sur lui-même. Merci. Il peut continuer à toujours à travailler sur sa connaissance de soi puis de voir c'est quoi, ça va être quoi son plan après tout ça. T'sais. Fait que okay. Je pense que de prendre le temps, on ne le dira jamais assez, je pense, mais c'est vraiment ça, de créer un lien avec ce jeune-là puis de donner les différents outils nécessaires à ce jeune-là si le besoin y en est. T'sais, si jamais il se rend compte que c'est trop pour lui de travailler en même temps, de faire tout ça, mais c'est de l'outiller le plus possible dans cette situation-là. Oui, puis non, oui, effectivement, j'allais dans la même lignée de prendre le temps mais de prendre le temps aussi de manger son éléphant. Ça, c'est bien important de décortiquer ça. Si on essaie de manger un éléphant tout cru, là, d'un coup, là, on va s'étouffer avec, on va s'écraser en dessous, c'est clair.
Mais si à tous les jours, on fait une petite tranche de steak, on va arriver au bout de notre éléphant. Mais quand quelqu'un arrive avec plein de problèmes, il faut que j'aide ma famille, il faut que je fasse ça. C'est de prendre le temps de dire, OK, ben on va regarder, on va compartimenter c'est quoi les besoins, là. On va regarder le gros tableau, puis après ça, on va essayer de voir un par un qu'est-ce qu'on peut faire. Mais d'accompagner le jeune dans ses décisions, je sais que c'est pas populaire. Ouais, dire, ouais. On voudrait qu'il fasse ce que nous, on pense qui est bien pour lui, mais on est qui, nous, pour décider de... Ben, on sait mieux parce qu'on a 35, 40, 45 ans, 50, peu importe, puis on a du vécu, puis on sait les conséquences que ça peut avoir, mais on sait pourquoi, parce qu'on a vécu des choses. Mais, tu sais, un jeune qui veut décrocher, là, on peut trouver des moyens de le rester raccroché d'une autre façon. Tu sais, comme je disais tantôt, il y en a un là, que je l'ai envoyé. J'ai dit, OK, mais je veux au moins que tu étudies pour ton équivalence puis tu te prépares pour tes examens d'équivalence secondaire 5. Mais oui. Lui, il a été des semaines et des mois. Ça lui a donné le temps de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment et non sur le coup d'une émotion. Mm-hmm. Mais lui, au moins, il n'a pas arrêté. C'est comme faire du vélo. Si tu arrêtes de faire du vélo dans la pente, tu descends assez vite. Si tu donnes juste un peu d'effort à tous les jours, tu vas arriver au bout de ta montagne. Même image. Fait, c'est de rester accroché à ses études d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas parfaitement comme si nous, comme nous, on voudrait. Des fois, c'est mieux ça que de le voir décrocher au complet. Merci Sandra. Joël, ça répond un peu à votre, en tout ou en partie à votre question. Peut-être que ça suscite d'autres questionnements aussi. Êtes-vous toujours là? Oui, je suis toujours là. Merci beaucoup. Non, c'est très complet. Je vous remercie. C'est très riche comme échange. Et c'est grâce à vous également. Merci d'avoir participé. Vraiment, on préfère vous entendre que de vous lire. C'est très apprécié. Merci infiniment. Mesdames, j'aurais une question pour vous. Vous avez parlé, on est là-dedans. On est dans les outils concrets, qu'est-ce qu'on peut appliquer. Si vous aviez une boîte à outils, des conseils, des recommandations à proposer à nos participants, participantes, ce serait quoi? Des incontournables, selon vous. Veux-tu, je commence, Sandra, puis... Vas-y. Parfait. Ben, tu sais, c'est sûr que nous, avec notre conciliation et de travail, avec l'accompagnement que je fais en individuel avec nos jeunes en persévérance scolaire, on a quand même quelques outils. On y va surtout au niveau de la gestion du temps. Il y a plusieurs outils qui existent. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Les sites web sont peut-être, j'arrive pas à les ouvrir. J'aurais dû tester ça avant. Je suis désolée. Mais on va pouvoir vous les envoyer lors de la présentation. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Donc, je vais juste vous présenter mon écran. Je fais ça rapido. Donc, ici, j'ai trois outils qu'on utilise de manière régulière au niveau de la conciliation et de ce travail. Donc, le premier site Internet, Je concilie. Ce que j'aime beaucoup de ce site Internet-là, c'est que tu peux le faire en tant qu'intervenant aussi. Donc, tes statistiques ne comptent pas dans tout ça. Donc, c'est un questionnaire à compléter pour voir au niveau qui permet comme d'évaluer un peu la conciliation que tu fais actuellement dans tes études. Ensuite, le deuxième, le je choisis mon employeur.com, ça permet, c'est un outil de gestion du temps, parce que des fois, les jeunes se disent que, ah ben, je peux travailler 30 heures par semaine, puis aller à l'école 30 heures par semaine, puis avoir des activités sociales 15 heures, tu sais, leur permettre de réaliser que dans une semaine, il y a un nombre d'heures maximum, puis que parfois, ben, il ne faut pas oublier les activités de la vie ordinaire. D'exemple, manger, prendre sa douche, prendre soin de soi. Donc, cette activité-là permet vraiment d'avoir un visuel. Puis comment qu'il est fait, tu as l'outil qui est fait pour, mettons, au secondaire, que tu permets d'avoir une comparaison en général de jeunes au secondaire, mais il y a aussi également pour ceux au cégep. Donc, c'est vraiment, ça permet d'avoir un visuel sur le nombre de temps qu'il est prêt à consacrer sur chacune des activités. Puis des fois, c'est de faire comme, oh, c'est OK, moi, faire mon sport à chaque semaine, c'est vraiment une priorité pour moi. J'ai besoin de faire mon gym 3 fois par semaine, au moins 1 heure par semaine, parce que je vois plein de côtés positifs. Mais là, si je travaille 30 heures par semaine, ça ne marchera pas, ça ne rentre pas dans mon horaire. Fait que ça permet vraiment d'avoir un visuel sur qu'est-ce qui peut se permettre dans son horaire. Également, un autre outil, bien, c'est un questionnaire au niveau de la CNESST. Ça permet vraiment de connaître les différentes normes reliées au marché du travail parce que souvent, les jeunes ne sont pas nécessairement tous au courant des différentes normes par rapport à tout ça.
Et il y a un dernier petit projet qu'on a également au Carrefour que je prends le temps de présenter aussi. Donc, ça s'appelle Desjardins Jeunes au Travail. Donc, c'est un programme qui existe pendant la saison estivale qui est pour les jeunes de 14 à 18 ans. C'est pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience de travail, donc qui n'ont jamais été travaillé. Et c'est vraiment là, un programme qui existe pour vraiment voyons comment je peux dire ça, sensibiliser les jeunes par rapport à leur consommation, mais également les outiller aussi par rapport au marché du travail. Donc, on va travailler sur leur CV, on va travailler sur leurs entrevues, comment bien se préparer par rapport à tout ça. On va donner des formations également par rapport aux normes du travail, les droits et responsabilités reliés au travail, l'accompagnement également dans l'intégration d'un poste. Donc, c'est pas, j'y vais vite, vite, là, mais c'est un projet également que nous avons au Carrefour. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça, nos outils qu'on utilise beaucoup là, au niveau de la conciliation études-travail. Ça nous facilite un peu la tâche. Donc, voilà, j'arrête mon partage d'écran et je te laisse la parole, Sandra, pour tes outils à toi. On a communiqué juste avant de te laisser la parole, on a communiqué les liens dans le fil de discussion pour ces références-là, mais évidemment, ce sera également dans la présentation qui va être partagée dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Donc, les outils, je reviens encore sur, bien sûr, faire le budget, prendre vraiment le temps. Ça, c'est le premier outil. Le temps. Je sais, je le répète, je martèle le marteau, mais ça, j'en vois tellement. Je vois tellement de gens essayer d'aller trop vite des fois. Puis c'est là que ça glisse. Prendre le temps de créer des liens. Renforcer le lien que vous avez avec le jeune. Donc déjà, en renforçant le lien que vous avez, et puis un jeune à la fois, hein, surtout si vous êtes intervenant, on voit des problématiques. Là, ah, les 13 ans décrochent. Secondaire 3, au taux de décrochage, qu'est-ce qu'on peut... Non, vous ne pourrez pas régler le problème de tous les jeunes parce qu'ils n'ont pas tous le même problème. On va y aller un jeune à la fois, puis on va prendre le temps d'aller un jeune à la fois. Donc, c'est ça, prendre le temps de faire un budget. Pourquoi il veut travailler? À quoi ça va servir? Ça, c'est super important. Pas juste comme ça, là. À quoi ça va servir? Non, on va s'asseoir, puis on va l'écrire. Bon, combien tu as besoin, puis c'est réaliste. Après ça, on verra dans tes besoins, tout. Il faut toutes les mettre, là, au complet. Parce qu'après ça, il y a la surprise. Si vous ne les mettez pas, vous ne prenez pas le temps de voir au complet toutes les dépenses qu'il peut y avoir, il va dire qu'il n'y arrive pas. Ben non, il y a des dépenses qu'il n'a pas nommées. Fait que même acheter de la gomme au dépanneur, si toutes les semaines, il va acheter son paquet de gomme, ben c'est une dépense. Il faut calculer. Donc, voir c'est quoi ses besoins, pourquoi il veut travailler, puis ensuite de ça, ben combien d'heures ça va faire. Ensuite, on va vers le calendrier, on va voir l'agenda, puis voir le temps de faire un horaire pour concilier bien, comme on dit, le travail, les études. Il y a aussi les autres intervenants, les autres. Vous ne gênez pas, moi, j'adore travailler. Je suis toujours seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Allez voir vers les autres organismes communautaires, même si vous faites partie d'un organisme communautaire, allez voir les autres organismes communautaires. Allez voir les services. Des fois, vous pouvez vous échanger des trucs où il y a des jeunes que j'aide, que j'envoie aux sources du bassin pour la nourriture, d'autres que j'envoie chez Intégration Compétences, qui est le pendant, qui était autrefois Carrefour Jeunesse Emploi ici. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher tous les autres intervenants qu'il y a autour de vous. Puis, pour les travailleurs de rue, là, j'avais quelqu'un qui était dans une école, là. Vous pouvez inviter le travailleur de rue de la région pour venir visiter l'école. Moi, mes travailleurs de rue, ils vont dans les écoles secondaires sur l'heure du dîner. Ils vont aller au McDo à la rencontre des jeunes. Donc, ils vont même faire le tour. Il y en a une qui a fait toutes les classes pour présenter c'est quoi le travail de rue, c'est quoi qu'elle fait. Donc, pour que quand le jeune va voir le travailleur de rue dans le parc ou au McDo, puis se dire « Hey, tu m'as dit que tu pouvais peut-être m'aider, j'aurais besoin d'aide. » Donc, n'ayez pas peur, puis vous pouvez appeler au ROCQTR, ROCQTR, si je ne me trompe pas, Regroupement des organismes en travail de rue du Québec. Donc, le ROCQTR, vous pouvez leur écrire, les communiquer avec eux, puis ils pourraient vous dire dans votre secteur, là, où est-ce qu'il y a des boîtes de travail de rue, si vous ne les connaissez pas déjà. Mais c'est ça, faites appel, il y en a plein d'outils autour de vous pour que vous puissiez aider les autres. Donc, on est là, on est présent. Vous ne gênez pas de travailler entre vous autres et d'augmenter la force du nombre.
C'est effectivement, c'est ensemble qu'on peut y arriver, surtout dans un contexte qui évolue tellement rapidement. Voyez-vous juste le commentaire de Joël tout à l'heure qui nous amène à un autre aspect, ça nous a envoyé vraiment sur une autre piste, mais qui est votre réalité, notre réalité à tous également. Je recevais un commentaire dans le fil de discussion, comment est-ce qu'on peut aider les gens, les jeunes à comprendre un peu plus, c'est-à-dire leurs besoins. Puis là, vous avez donné des outils concrets. Là, il y a eu des sites web, prendre le temps de faire le budget, de poser. Il y a beaucoup de réponses dans la communication puis dans l'accompagnement. Déjà, de commencer par ça, dans la transparence, l'accompagnement. Donc, on commence par ça. Je pense que c'est déjà une bonne piste. Et il y a une question qui vient d'entrer. Comment réagissent les jeunes devant les exigences d'un budget? Effectivement, hein? Ça doit quand même avoir un impact. Ben, je peux te laisser y aller, Sandra, y répondre, là. Ben déjà, moi, je ne présenterais pas ça comme une... Tu sais, nous, on sait où est-ce qu'on va aller dans notre tête. On sait qu'on veut lui faire réaliser la chose. Oui, oui. Mais tu peux y présenter. C'est d'après comment tu y présentes aussi. Si tu veux y présenter en disant, tu vas voir que ça n'a pas de bon sens les heures que tu veux travailler. C'est ça, il y a lui de mort dans le négatif. Mais si tu dis, hey, tu sais quoi, maudite bonne idée que tu te fasses l'argent. L'argent de poche, tu vas déjà commencer à prendre ton autonomie. C'est vraiment bon, mais tu sais quoi, on va s'asseoir, on va faire le budget, voir combien tu peux aller chercher, puis qu'est-ce que tu peux te payer avec ça. Donc, déjà, en partant, ça va aider beaucoup à voir vers où on s'en va. C'est de la façon dont vous allez le présenter. Oui, une approche ouverte de conciliation, encore une fois. Marika, quelque chose à ajouter? Bien, tu sais, effectivement, là, c'est, on veut pas lui dire, tiens, voici noir sur blanc, tout qu'est-ce que c'est, mais c'est de lui faire réaliser, tu sais, de lui faire trouver les petits vices cachés qu'on oublie des fois, tu sais, parce que des fois, ils vont dire, ah, ben j'ai juste ça puis ça à payer, OK, mais est-ce que tu as un téléphone cellulaire? Est-ce que tu utilises Netflix? Est-ce que tu... Tu sais, donc, des fois, c'est de leur permettre de réaliser, comme moi, finalement, je dépense quand même beaucoup pour des choses qui sont peut-être pas tant importantes. Fait que c'est de prendre le temps. Encore là, on revient sur terre sur prendre le temps, mais notre accompagnement... Toutes ces questions-là, il faut le faire sur le positif. Exactement. Sur le que tu veux que son projet se fasse, mais se fasse bien. Si tu amènes ça, genre, « Ouais, mais là, t'as oublié ça, tu réalises-tu que... » Et là, tu sais, c'est sûr que le jeune vient se bloquer, mais si tu dis, « OK, on va voir jusqu'où on peut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? » J'ai juste pensé à moi qui dis à mon jeune, « Ben, tu sais, il y a la stratégie du chantage... » Je ne sais pas si ça peut être bon. Tu sais que si tu commences à travailler, il y a des choses que tu vas commencer à payer qu'on paie actuellement. Alors, ça peut peut-être ralentir. Je ne sais pas. Je ne dis pas que j'ai moi, de la psychologie derrière. Je ne dirais pas c'est bon, je ne dirais pas c'est mauvais. Je pense que c'est une question de valeur familiale, puis c'est tout. Là. Il y en a que pour qui ça fonctionne, d'autres ça ne fonctionne pas. Puis ça, je n'irais même pas... Parce qu'à quelque part, c'est les premiers signes d'autonomie, puis on veut que ça se développe, cette autonomie-là. Alors, qu'est-ce que c'est où? Effectivement, c'est une question de culture familiale, de valeur familiale. Qu'est-ce qu'on veut encourager chez le jeune? Donc, c'est ni blanc ni noir. Si vous permettez, mesdames, j'inviterai pour la dernière séquence de cet atelier Chantal Denis, qui est la directrice générale de l'IRCM, à se joindre à nous pour un mot de la fin. La question que je vous poserai à toutes, c'est les messages clés. Si vous aviez un message clé à retenir ou à transmettre à nos participants, participantes, ce serait quoi? On commence avec... On lève la main. Ah, ben je peux y aller. Ah, Marika. J'y vais. Alors, ben moi, ce que j'aimerais transmettre, c'est l'accompagnement. C'est vraiment de ne pas oublier, oh là, je vais dire un mot à Sandra, je m'excuse, tu vas sûrement dire prendre le temps, mais on le dit tellement souvent, mais l'accompagnement individualisé dans la conciliation études-travail, elle est super importante parce que, oui, de transmettre les informations en grand groupe, c'est une chose, ça nous permet de tenir informés les gens, c'est super bien, mais de vraiment accompagner le jeune de manière individuelle, dans sa réalité, en fonction de ses besoins, ça va nous permettre d'avoir vraiment des interventions qui vont être gagnantes dans tout ça. Donc, c'est vraiment mon mot-clé qui s'est transformé en un paragraphe. Voilà. Merci, Marika. Merci. Ben, écoute, Marika, j'aurais pas pu me dire, c'est vraiment dans cette optique-là. L'entourage est important pour les jeunes, il faut qu'on soit là. Mais le mot, c'est temps. C'est temps. Oui,
Parce que j'ai l'impression que le signal a coupé un petit peu juste au moment du mot, mais c'est important de... C'est le temps, prendre le temps. Oui, c'est important de prendre le temps. Dans l'important, il y a le mot « temps hein? ». Chantal? De mon côté, merci pour toutes ces présentations tellement intéressantes. Et puis, on se rend compte que le sujet est complexe, comme l'a mentionné Frédéric. Pour moi, le message aussi dans l'accompagnement, dans le temps, mais il y a également l'écoute. Et les jeunes s'expriment d'une façon qui, des fois, ne coïncide pas ou ne sont pas tout à fait dans notre pensée, dans la même lignée que notre pensée. Mais l'écoute est de laisser tomber nos barrières d'adultes pour être en mode écoute des jeunes. Alors, pour moi, c'est important. J'ai déjà enseigné et j'ai mis ça en application en enseignant de m'enlever, de changer mon paradigme et de vraiment me mettre en mode écoute des jeunes. Et là, on peut mieux comprendre leurs besoins, comme vous avez mentionné, l'importance d'aller, de fonctionner à partir des besoins des jeunes et non pas l'inverse, imposer les nôtres aux jeunes. Donc, je suis contente de toutes les activités de la semaine parce que ce dénominateur commun-là d'accompagnement et du rôle d'un adulte dans la vie des jeunes, d'un rôle positif, bien, à travers la semaine, on a démontré l'importance de ce rôle-là des adultes. Mm-hmm. Et c'était l'objectif aussi, c'est la thématique de l'entourage là, qui était au premier plan des journées de la persévérance scolaire cette semaine. Tu parlais d'écoute, j'aurais le goût de vous écouter encore une fois, chers participants, en vous envoyant ce petit sondage-là, cette petite question à savoir, est-ce que vous vous sentez mieux outillé à la fin de cet atelier-là aujourd'hui? Alors, pas plus outillé, assez bien outillé, très bien outillé, parce que c'était l'objectif de cet atelier-là. On avait le goût de vous partager des conseils, des trucs, de vous inspirer, de vous entendre également, puis de favoriser une discussion, un échange là, qui est favorable pour tout le monde. Alors, on vous pose la question. Plus outillé, pas plus outillé, assez bien outillé, très bien outillé. J'ai des bons outils, je travaille en construction, je bâtis des maisons. Alors, et l'important, c'est les fondations. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors, est-ce que Vincent, on a des résultats à cette question comme auto-évaluation? Alors, assez bien outillé dans une proportion de la moitié des gens, très bien outillé, je dirais, pour la tiers des gens. Alors, voilà, on a répondu à l'objectif avoir ces réponses-là. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous souhaitez parler avec nos experts, je pense qu'il y a une ouverture hein, de votre part de recevoir ces questions-là suite à cet atelier-là. Vous allez recevoir également les liens avec la présentation d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir revoir cette présentation-là, la partager à vos collègues également. Merci infiniment, mesdames, d'avoir participé de façon si généreuse à cet atelier. C'est très apprécié. Alors, c'était Marika Réaume, qui est conseillère à la persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Marika, d'avoir été des nôtres. Accompagnée de Sandra Bolduc, qui est directrice générale de l'organisme Posa Source des Monts. Merci beaucoup, Sandra. Ouais, merci à vous. Hein. C'était très agréable. Merci infiniment. Sandra. Alors, Chantal, c'est ainsi que se termine la semaine des journées de la persévérance scolaire avec cet atelier. Heureuse, tu en retires. Oui, je suis très heureuse et je profite de l'occasion pour mentionner que l'IRC de la Montérégie veut vraiment faire rayonner les bonnes pratiques. Et c'est ce que l'on a tenté de faire durant la semaine et j'espère que l'on a atteint notre objectif. Et pour la conciliation études-travail, l'IRC Montérégie va être de plus en plus présente au niveau de la région de la Montérégie pour soutenir les employeurs, les jeunes, les parents, comme je l'ai mentionné en tout début de rencontre. Donc, je répète, les employeurs, les jeunes, les parents, mais aussi tous les acteurs qui travaillent auprès des jeunes. On a eu un commentaire d'une psychoéducatrice dans une école qui a été très intéressant, une question et des commentaires.
Donc, l'IRC Montérégie est là pour favoriser cette conciliation et ce travail-là d'une façon harmonieuse. Alors, si on est un organisme, un intervenant, une intervenante, on est impliqué dans le soutien auprès des jeunes, on peut cogner à votre porte, puis aller chercher de l'information, devenir membre. Oui, effectivement. On est à 140 membres, donc on augmente à chaque année le nombre de membres. Formidable. Merci infiniment, Chantal. Vraiment, ça fut un plaisir, autant professionnel que personnel. Pour moi, j'ai grandi là-dedans. Vraiment, ce fut un privilège. Merci à toi, Frédéric, pour toute la semaine aussi, et je te laisse terminer. Le mot de la fin va aller à vous. Merci, participants, participantes. Vraiment, je le disais au départ, chaque geste compte. Ça fait partie de la signature nationale de la Journée de la persévérance scolaire, mais c'est aussi vrai. On le voit ici, là, juste là. Nos gestes comptent pour la réussite. Alors, merci d'avoir été des nôtres, d'avoir participé, interagi avec nous. C'est un grand plaisir. Et je dis merci également à l'IRCM pour cette collaboration. Merci à la technique, Vincent à la technique également, très apprécié. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Oui, on applaudit et continue à faire ce que vous faites de mieux, soit soutenir nos jeunes dans leur réussite scolaire. Vraiment. Bonne journée.